can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Aujourd'hui, dans le dessous des cartes, nous allons analyser un film anti-arabe, un téléfilm allemand. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'un numéro spécial, pas de carte, mais de la péloche. Et aussi du touch, bien entendu. Can't touch this. Can't touch this. Mogadiscio, donc, énième film avec des Arabes qui sèment la terreur dans un avion. Nous savons maintenant pourquoi il y a des checkpoints dans les aéroports. Mademoiselle, excusez-moi, je peux avoir un verre d'eau minérale, s'il vous plaît. D'emblée, l'Arabe est présenté comme un personnage rempli de ressentiments. Méfiez-vous, ils ne sont pas comme nous, il y a quelque chose qui cloche chez ces gens. Va des rétro, Satadoum, Satadas. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient... Dans ce genre de pamphlet raciste conçu tout spécialement pour la ménagère... Tout est question de contraste. Prenons par exemple ce plan. On place systématiquement des Suédoises bien éclairées à côté de notre Arabe dans l'obscurité. Dans ce huis clos dramatique, les Arabes vont terroriser les Blancs. Pourquoi ai-je pris l'avion, maman ? Plus tard, le collabeur Saïd Tagbaoui, le gros couillon du cinéma français, se lève. Le porno du samedi soir va commencer. Le principe de base pour déshumaniser une personne, c'est de la faire ressembler à un animal. Mâchoire bien trop ouverte, regard démentiel, misère, où sont les cacahuètes ? Pour le reste du casting, les acteurs prétendument arabes sont pratiquement tous inquiétants et hostiles. Un genre d'arabe méchant et sophistiqué. Le public prétendument occidental, quant à lui, jouit d'un tout autre traitement. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles... Mademoiselle, je vais en informer l'ambassade du RSS, et malheur à vous. Alors pourquoi le cinéma sioniste, pardonnez-moi ce pléonasme, avilit-il avec tant d'acharnement cette catégorie de la population? Eh bien, jeu de PD, la réponse est très simple. Et oui, 100% des films que tu regardes sont produits par le lobby qu'on connaît pas. Les méchants arabes servent d'épouvantail. On peut créer un climat de guerre civile. Ou tout simplement emmerder les patriotes musulmans. Vider les lieux de culte. Glorifier qui tu sais. Et bombarder la Libye tranquillos. Voici une autre séquence où j'en suis certain. Le metteur en scène de ce caca a dû ressentir une forte érection. Est-ce qu'il y a d'autres pourritures de juifs dans mon putain d'avion ?